écoute, on est sorti, hein. C'est le confinement, oui, d'accord, mais moi, faut que j'aille faire les courses, donc on rentre en direction des courses, quoi. Oui, parce que j'ai que ça à l'année, donc du coup, je t'avoue, voilà, quoi, je peux pas faire autrement. C'est voilà. Ouais, le permis voiture, écoute, tu me passes les sous et je le passe, y a pas de problème. Ça fait bizarre d'avoir personne sur les routes, hein. Y a personne. Hop là, petit trop. Je me sens seul au monde. Je me sens seul au monde. Alors j'espère que ce coup-ci mon micro entendra mieux parce que j'ai un peu roulé cette semaine aussi pour aller faire 2-3 courses. En fait, voilà, j'ai mis mon micro avec du scratch sur le côté. Mais apparemment j'avais mal mis en place, dans le sens où t'entendais vachement le vent. Du coup, ce que j'ai filmé, c'était inutilisable. Un peu dommage, mais bon. Au moins ça me permet de vlogger là, tu vois. Au moins ça me permet de pouvoir faire celle-là. De pouvoir tester, voir si ça marche ou pas, tu vois, de pouvoir rouler, quoi. Mais t'as craqué, mais t'as complètement craqué. Mais t'as craqué ton slip. Alors après, je suis pas là pour donner des sons, mais je vois beaucoup de motards sur Facebook qui disent qu'ils vont se balader, tu vois. Putain, mais tu vas te balader en période de confinement, merde. Qu'est-ce qui branle? Oui, d'accord, t'as envie, t'as besoin. Pas en période de confinement. C'est à cause de gens comme toi qu'on va devoir repousser l'échéance. Et au final, on est bon jusqu'au mois de juillet, là. Ouais, coup de gueule du jour, bonjour. Voilà. Oui, il faut que je fasse attention aux gros mots, je sais. On va dire que dans ma première vidéo, les deux gros mots que j'avais mis, je les avais cachés avec un bip. Mais là, j'avais un peu la flemme. Et au final, j'aurais mieux fait. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'aime pas les gens arrêter sur ma côté comme ça. Ouais, il a reçu un truc dans le casque. T'as entendu ou pas? Je sais pas si tu vas l'entendre, mais moi, c'est bien entendu. Fuck. Ouais, petite balade d'11 km. J'ai un autre magasin un peu plus près. À 8 km, tu vois, si je peux rajouter 3 km de route, pourquoi pas, tu vois, donc là j'étais à l'autre. Bah oui, forcément. Hein. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Je suis quand même motard, quoi, faut oublier. Hein. Oula. J'ai un peu pris serré, lui. Un peu trop, même. Ouais, on triche un peu. Ça va bien, je sais, mais bon. Ah. Hop là. Voilà la bête. Oh, je me fais chier dessus. Je vais vous niquer, vous et toute votre famille. C'est forcément pas cette bonne clé. Oh, elle est dégueulasse la bagnole à toi. Putain, t'as été dans les champs quoi. T'as été faire du tout terrain. Il a fait ça de lac de nerf, du coton. Ouais, on rentre dans la maison après les courses, tu vois. Intermarché. L'essence a descendu vachement. C'est un truc de dingue. J'ai mis de l'essence hier. 1,19€ le sans-plomb 98. Et 1,16€ le sans-plomb 95. Faut savoir que le gasoil était au même prix que le sans-plomb 95, s'il te plaît. Alors au final, j'ai réussi à tout caser dans le sac. Alors par contre, je sais pas si tu vois la bouteille là dans le coin. J'ai une bouteille tenue, une bouteille d'eau, tu vois, à l'envers, dans le coin du sac. C'est assez dangereux, mais écoute, ça a l'air de tenir. Ah, j'ai pas trop le choix, hein. Le sac est blindé, je t'avoue, donc voilà, on fait comme on peut. Alors le paysage est magnifique, le seul truc qui me dérange, c'est les éoliennes. Ok. Donc il y a bientôt une surprise aussi dans quelques mois, une petite surprise sur ma chaîne pour ceux qui sont déjà abonnés. C'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour moi. Va-t-il doubler? Va-t-il pas doubler? Avant le tournant, il est chaud, il y va. Eh ben non, il peut pas. Je vais pas accélérer pour ta gueule. Non, non, non. Ah, elle était chaud pourtant, il s'est dit j'y vais, j'y vais. Eh ben non ma gueule, j'y reste derrière. I'll be back. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voie là. Par contre, ce serait bien d'arrêter de me coller un peu quand même. J'aime bien ce petit virage, c'est dommage qu'il soit en ville, je t'avoue. Il est vraiment sympa ce petit virage. Mais en ville, voilà. C'est dommage. Alors oui, je roule en campagne, je sais que voilà, il y a beaucoup de routes de campagne. Mais bon, écoute, on a des beaux virages, de beaux paysages, de petites routes sympas. Donc à choisir, tu vois, je préfère rouler là. Même si voilà, c'est pas toujours intéressant ce qui se passe. Hein, forcément en ville, sur Paris, il se passe forcément plus de choses. Mais c'est un peu plus de la rage, donc au final, moi, je suis très bien dans ma petite campagne, tu vois. Mais oui, c'est clair. Donc sinon, mon futur projet, ce serait peut-être d'acheter une deuxième GoPro, tu vois. Peut-être même d'occasion, je m'en tape, mais au moins de pouvoir acheter une GoPro et de pouvoir faire deux plans différents quand je roule. J'avais pas eu le petit.
toi tu l'as vu, dis-le moi, moi je l'avais pas vu. Bah ouais, ça pourrait être sympa de faire deux plans, tu vois, de différents. Donc à savoir si je la mets devant ou si je la mets pas devant. T'as plus la flotte là-bas. Sauf que c'est là-bas que je vais, en fait, tu vois. Je vais là-bas, en fait. Donc enfin, je me dépêche de rentrer, je pense. Voilà, ce qui va se passer dans les prochains mois, bah ouais, je vais sûrement acheter donc une GoPro. Une deuxième. Pour pouvoir la fixer ailleurs sur la moto et pouvoir donner un autre angle de vue. Ensuite là j'ai acheté des embouts de guidon Rizomac, je te mets en photo. Tu me diras ce que t'en penses, moi je les trouve vraiment jolis. Sachant que j'ai la visserie de Carter qui est rouge aussi. Ah, je te crois souvent toi. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, je vais essayer de faire plus de vidéos, donc voilà, je me donne le temps. La prochaine vidéo donc ce sera sûrement sur mon intercom, le Scala Raider Freecom Duo Plus, puisque ça fait quelques mois déjà que je m'en sais. Donner aussi des petites astuces qui ne sont pas forcément expliquées dans la notice. Comprendre comment il marche, comment il fonctionne. Si ça peut aider certaines personnes, pourquoi pas. Parce que là j'avoue, ouais, moi aussi j'ai un peu galéré, hein, j'ai dû chercher un peu partout pour trouver comment ça marchait. Merci! Allez, moi je te dis à la voyure! Pif! Oh.